Salut Sarah, tu m'entends? Ah, pas encore. Salut! T'as ton micro qui est coupé. Ah oui, ça commence bien. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, j'aime bien ta nouvelle coupe. Ça te va bien? J'avais C'est envie, hyper j'avais besoin chouette. de changement. Ah, bah, parce qu'ils étaient longs tes cheveux quand même avant, non? Oui, ils étaient plus bas que les épaules, ouais. D'accord, ok. Ouais. Oh, ça fait un peu rock. Ça faisait 3 ans que je n'étais pas allée chez le coiffeur, donc il était temps, quoi. Ah oui, d'accord. Donc là, quand tu y vas, c'est changement radical. Ouais. Je suis pas celle qui fait le mieux marcher les coiffeurs, hein, mais quand j'y vais, par contre, j'enlève une bonne longueur en général. Ok. Je sentais qu'il y avait une nouvelle énergie là, dans mon quotidien et tout. Donc, nouvelle énergie, nouvelle coupe, quoi. Allez, on y va, on s'allège et on s'élève encore plus. Bah, Bon. t'as bien raison. En tout cas, c'est réussi. Voilà. Ben, merci, c'est gentil. Je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. Mais bon, voilà, petit à petit. Alors, Bon. ta caméra, elle est en bas parce qu'en fait, du coup, tu as tes yeux qui sont... Ouais, alors du coup, tu vois, c'est mon mari. Tu vois, il m'a dit qu'il voulait la mettre absolument en haut. Ouais. Bon, je vais la déplacer là. Tu sais, j'ai une Parce que petite du coup, caméra je voyais ta externe. tête vers le bas. Donc, quand on est entre nous, c'est pas... là, c'est zoom sur ton décolleté. Hein. Ouais. Du coup, je vois. Attends, voilà, je vais monter comme ça. Ah, voilà, super. Bon, je te cacherai pas que j'ai. En plus, c'est enregistré. Là, ils verront ce qu'on dit là, du coup. Ah, attends. Allez. Bonjour tout le monde. On va se présenter. Salut Cindy. Merci d'être présent. Est-ce que tu m'entends, Simone? Cécile, Oui. pardon. N'importe quoi, Oui, ça commence. Tu m'entends bien, Cécile? je t'entends très bien. Très bien. Bon, bonjour tout le monde. Bon, écoutez, on n'arrive jamais pas à faire en sorte qu'on puisse me voir dans la caméra. C'est pas grave, on va commencer comme ça. On y va? Ouais. Super. C'est bon pour toi, Cécile? C'est bon pour moi, vas-y. Eh bien, bonjour. Ok, ben, bonjour à tous. Eh bien, merci d'avoir accepté de participer à ce live. Alors, moi, je suis Sarah Massingo derrière l'écran. Voilà, donc j'aide les femmes à réussir leur reconversion pour qu'elles puissent trouver leur voie. Moi, je n'entends pas les autres, par contre, mais C'est bon, normal, j'ai écoute. coupé les micros, ceux sur Zoom et sur Facebook. Là, ils peuvent écrire des commentaires pour justement. Et puis après, on peut réagir si vous avez des questions au fur et à mesure, quoi. Voilà. D'accord, ok. Ah, par contre, c'est en décalé, tu vois. Ah, je sais pas. Bon, vas-y, continue. Ok, très bien. Vas-y. Ok, alors, Cécile, donc, tu as un parcours très intéressant. D'accord, ok. Très bien. Alors, Cécile, tu vas pouvoir un peu en dire plus sur ton parcours. Alors, Cécile, donc moi, ce que je. Donc, on s'est rencontrés sur Instagram. Et donc, j'ai trouvé ton parcours intéressant. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer ton ancienne vie, ton parcours un petit peu professionnel et comment tu en es venue à ce choix d'orientation, ton premier choix d'orientation? OK. Alors, mon premier choix d'orientation, donc j'ai commencé ma carrière dans les travaux publics et je suis allée dans cette direction tout simplement parce que j'étais dans un lycée qui proposait l'option travaux publics et qu'en fait, je ne savais pas quoi faire, je n'avais aucune visibilité sur ce que je voulais vraiment faire. Et donc, par contre, je n'avais pas envie d'un contenu trop théorique. Je sentais que j'avais envie d'être quand même dans l'action. Et que c'était la seule filière de ce lycée qui proposait finalement une approche un peu pratique. Donc, c'était les travaux publics. Donc, je suis allée là-dedans. Et puis, ben, mes parents n'étaient pas hyper motivés pour ça.
surtout ma maman. Et puis, du coup, en réaction, je me dis, bah oui, je vais te prouver qu'en fait, je peux y arriver, quoi. Et donc, je suis allée là-dedans par hasard, en fait. Hein. Peut-être qu'il y aurait eu dans ce lycée une autre filière. J'aurais peut-être commencé dans une autre filière, quoi. Et donc, bah, j'ai passé mon bac STI génie civil. Hein, et puis, ensuite, j'ai fait un DUT en travaux publics sur Grenoble. Et j'ai commencé ma carrière dedans. Au bout d'un ou deux ans de carrière, j'ai suivi une formation à distance d'ingénieur en travaux publics parce que je sentais que professionnellement, ça pouvait m'apporter plus d'ouverture, etc. Mais bon, voilà, au début, j'avais un peu des étoiles dans les yeux. C'est un métier qui rapportait quand même un salaire assez intéressant pour un nombre d'heures, pas trop excessif à mon goût à l'époque, je précise. Mais je travaillais quand même entre 50 heures et 60 heures par semaine parce que c'était, voilà, c'est quand même assez prenant. Et puis, bah, voilà, j'ai travaillé là-dedans. Je suis venue en Martinique et puis... Et puis, voilà, plusieurs choses. J'ai renoué avec mon amour sportif de jeunesse en Martinique avec le canyon et l'escalade. Et j'ai passé mon monitorat de canyon et d'escalade. Et déjà, par rapport à ça, je sentais que quand je faisais ces sports-là, j'étais vraiment bien parce que j'adorais ces sports, parce que j'étais très à l'aise. Et quand le week-end, j'encadrais des sorties d'escalade ou de canyon, je sentais que je n'étais pas du tout la même personne que quand j'étais au boulot, en fait, et que je faisais un boulot qui, finalement, n'était pas tout à fait en phase avec mes valeurs. Et en 2012… C'est quoi la différence ? Ouais. Ah, Cécile, excuse-moi, je rebondis parce que tu as dit, tu vois, c'est intéressant. Et qu'est-ce qui était différent lorsque tu faisais ces activités, quand tu faisais du… Tu dis quand tu faisais ces activités sportives, c'était différent, c'est-à-dire ? Bah déjà, en fait, j'adorais ça. J'adorais ça et je sentais que les gens que j'encadrais, Alors, il y en a qui n'entendent pas, qui m'envoient des messages en disant qu'ils n'entendent pas. Allume ton… du coup, si elle ne m'entend pas, elle ne va pas entendre ce que je lui dis. Alors, il y en a une qui a… D'accord. Dans le chat, c'est qui n'entend pas exactement… Allume ton haut-parleur. Ouais, parce que là, je vois… Attends, moi, je vais désactiver peut-être mon… Ah ben non. Mettre différemment. Hop. Donc, en fait, ce qui me plaisait dans ces sorties canyon et escalade, c'était qu'en fait, je sentais que les gens, ça leur faisait du bien, en fait, de découvrir cet univers. Je les voyais joyeux. Et puis, je partageais avec eux une passion parce que j'ai fait de l'escalade en compétition pendant de nombreuses années. Et donc, c'était vraiment une passion quand même sportive. Donc, je sentais que quand même cet échange-là… Il n'était quand même pas le même que dans le milieu professionnel où c'était quand même beaucoup plus technique, quoi, pour le coup, pour le vraiment technique. C'est-à-dire, on fait ça, une chose après l'autre, et sans vraiment que ça fasse appel à une passion, à des valeurs. Donc déjà, j'avais senti quand même ce décalage entre ce que j'aimais faire et ce que je faisais professionnellement. Et en 2012, avec mon enfant, on est parti pendant un an en Amérique du Sud, sac au dos, et en mode trekking et escalade, voilà, pendant un an, on a fait des sommets à 6000, des randos de 8 jours. Enfin, voilà, on a vraiment fait une année très sportive. Et en fait, au retour de ce voyage, ben, plus rien ne pouvait être comme avant. En fait, ce n'était pas possible. On avait vécu différemment. Et surtout, pendant un an, on avait fait tous les deux quelque chose qu'on adorait, quoi. Sans aucun stress psychologique, contrainte. Bon, on a vécu que pour nous aussi, hein. Donc, et Cécile, vous aviez pris une année sabbatique, c'est oui, ça, pour ça, pour partir. Exactement. Et finalement, ça t'a reconnecté à ce que tu aimais vraiment, enfin le plein, enfin tout ce qui est un peu grand air, activités sportives, etc. Bah déjà, il y a ce côté-là, effectivement. Et puis en fait, surtout, moi, ça m'a permis d'apprendre à mieux me connaître dans des situations des fois difficiles, même dans mon rapport à l'humain, dans les gens qu'on rencontrait. Et en fait, je me suis aperçue que quand je suis affranchie de tout le stress et les contraintes professionnelles, en fait, toujours mon envie, c'était d'apporter du bien aux autres. En fait, j'avais toujours envie de rendre service, j'avais toujours envie de déclencher des sourires. Je me suis aperçue pendant cette année quand même que j'avais ça en moi instinctivement, que naturellement, ce que j'avais envie de faire, c'était
de rendre, enfin, voilà, de rendre les gens heureux. Enfin, de... Donc, quand même, quand j'y repense, beaucoup de choses quand même ont germé pendant cette année-là, de année sabbatique. Et puis, on est revenu et on a décidé d'être parents. Et donc, suite à notre retour, je suis tombée enceinte de Jeanne assez rapidement. Et donc, Et là, justement, Cécile, je me permets aussi de te poser une question. Est-ce que par rapport aux aspirations que tu avais, finalement, dans ton métier, il y avait quand même un décalage qui était assez, qui devenait assez flagrant au fur et à mesure des années, si j'ai bien compris. Complètement, c'est exactement ça, en fait. Hein. Au retour, je me dis, mais comment je peux continuer, en fait, ce métier alors que j'ai vu la vie autrement, même la façon dont d'autres gens vivent, avec un rapport beaucoup plus minimaliste que celui que j'avais, avec un rapport à la vie et aux gens. Il y a des gens qui nous ont accueillis chez eux pendant ce voyage, alors qu'ils ne nous connaissaient pas du tout, qu'on aurait pu être très mal intentionnés, en fait, hein, et qui nous ont ouvert les bras comme ça, sans attendre rien en retour non plus. Et le fait, on a vu des gens vivre avec le strict minimum dans des conditions qui pourraient nous paraître, nous, impensables, en fait, à la limite de la pauvreté, alors que ce sont des gens qu'on a vus profondément heureux. On a vu, j'ai un souvenir très précis d'une dame de 60-70 ans qui vivait à plus de 4000 mètres d'altitude au Pérou et qui vivait dans une tente faite de paille et avec juste au sol un lit de paille. Et qui vivait pendant 6 mois de l'année comme ça, et qui faisait paître ses moutons, en fait, la journée, et qui mangeait des potages avec des herbes qu'elle trouvait, avec des pommes de terre qu'elle avait récoltées sur une petite parcelle qu'elle cultivait. Et en fait, nous, on verrait ça, on pourrait penser que la personne allait, qu'elle n'a pas le choix, en fait. Et pour avoir échangé avec elle, donc, du coup, en espagnol, hein, parce que c'était au Pérou, et ben en fait, on a découvert un autre univers, une autre. Je me dis, mais. Et en fait, ça m'a beaucoup, beaucoup fait réfléchir en me disant, mais elle est heureuse, quoi. Elle est dans la nature, elle est avec ses moutons qui sont ce qu'ils sont, mais qui ne sont pas faux, au moins. Voilà. Elle sait à quoi s'attendre, elle est en totale cohérence avec ce qu'elle a envie d'être, finalement. Parce qu'on lui demandait, mais vous êtes quand même assez âgée, est-ce que vraiment vous voulez faire ça? Est-ce que vous ne pouvez pas faire autre chose de moins contraignant physiquement pour votre âge? Et elle dit, mais non, je ferai ça jusqu'au bout parce que c'est là où je suis heureuse, quoi. Enfin, voilà. Mais qu'est-ce que cette femme avait que tu n'avais pas, Cécile? Quoi? Qu'est-ce que cette femme avait que tu n'avais pas à l'époque? La liberté, hein. D'accord. La liberté. Tu te sentais un petit peu prisonnière de ton job? Pas libre de faire ce que tu voulais? Ouais, tout le temps sous pression, sous contrainte, et pression beaucoup implicite, hein, évidemment. Et du coup, je me sentais quand même, c'est ça, il me manquait cette liberté d'être, et cette année était quand même le premier pas vers cette liberté, quoi. Hein. Et puis toutes ces rencontres très riches, m'ont permis de prendre. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te posais peut-être une idée tu t'es interrogée sur une éventuelle reconversion, tu disais, comment je vais pouvoir peut-être changer de voie? Est-ce que tu avais des idées qui te sont venues à l'esprit? Alors, c'est très drôle, je vais vous dire quelque chose là que je n'ai jamais dit à personne. C'est que c'est l'occasion. Il n'y a que mon mari et moi qui savons cette anecdote. C'est que quand on était dans cet endroit du Pérou, donc ça s'appelle Atún Machay, c'est un site de grimpe en fait exceptionnel, et c'est une forêt de cailloux. Enfin voilà, on peut grimper à l'infini, c'est merveilleux. Et en fait, il y a un refuge dans lequel on était quand on était là-bas. Et lorsqu'on y était, ceux qui tenaient le refuge, c'était pas la grande forme, en fait. Ils hésitaient, ils disaient que c'était contraignant financièrement, qu'ils n'avaient pas le temps de s'y impliquer comme ils le voudraient, etc. Et on avait eu une discussion au creux de ces cailloux en se disant « Et est-ce qu'on ne claquerait pas tout en Martinique et qu'on achèterait ce refuge et qu'on vient s'installer là, quoi ?» Donc, en fait, déjà, sans que... Ça n'a duré que le temps d'une discussion, en fait. Hein, c'est jamais allé plus loin que ça. Mais quand même, je pense que dans ces moments-là, il y a quand même des choses qui ont germé dans le sens où on s'est dit, est-ce qu'on peut envisager peut-être une autre vie, en fait, voilà, dans ce sens-là. Donc, la vie, ce n'est pas forcément être coincé par un boulot, par un crédit pendant 20 ans, etc.
Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si certains d'entre vous à qui ça parle. En tout cas, voilà, je pense que peut-être la première fois que ça a germé, c'est peut-être ce jour-là, creux d'un, après avoir fait une séance d'escalade au creux d'un caillou, on s'est dit, mais en fait, par rapport à nos moyens européens, ce n'était pas très cher ce qu'ils en demandaient. Et puis, en fait, ça nous faisait rêver parce qu'on a eu un énorme coup de cœur pour cet endroit. Et voilà, donc du coup, c'était... Ça commençait à te voir qu'une autre vie était possible. Exactement. Et que tu commençais peut-être à l'envisager. Tout à fait. Un petit peu. Voilà. Et après, donc tu n'étais pas encore maman, et là, donc il y a eu ce projet de bébé. Enfin, tu es tombée enceinte, je crois. Ouais. Au retour, toujours cette question que tu avais. Ah, déjà, quand je suis tombée enceinte de Jeanne, donc c'était au mois de mai 2013, déjà quand je suis tombée enceinte au début, alors j'étais contente parce qu'on le voulait, hein, mais en fait, quand c'est arrivé si vite que je me suis dit, mais en fait. En fait, c'est quoi être maman, quoi? En fait, c'est ça. Là, ça y est, l'enfant est là, j'ai vu l'échographie, les tests, enfin voilà, c'est sûr. Mais en fait, concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que c'est, en fait? Enfin bref, c'était très bizarre dans mon cerveau. Et en fait, la qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire par rapport à toi, ton rôle de mère? Oui, c'est ça. Tu disais, en fait, qu'est-ce qui va m'arriver, en fait? Qu'est-ce qui m'attend? En fait, c'était vraiment ça. Et en fait, la grossesse est passée très rapidement puisque j'ai eu 9 mois de migraine. Enfin, très rapidement. J'ai beaucoup souffert, mais très rapidement, dans le sens où je n'ai rien pu faire comme activité à cause de ces migraines. De grosses, grosses migraines, jour et nuit, quoi. C'était vraiment très pénible. Et voilà. Et du coup... Et à ce moment-là, tu n'as pas réfléchi à ton projet pro. Donc, c'était un petit peu en stand-by. Est-ce que tu... Malgré le fait que ton état physique n'était pas... Non. Pardon ? J'ai beaucoup subi ma grossesse pour ma fille. À cause de ces migraines. Et en fait, justement, j'ai commencé à faire ce cheminement que tu décris au moment de mon congé maternité, du début de mon congé maternité, qui a été en décembre 2013. Parce qu'avant ça, je faisais comme je pouvais entre ma vie pro et mes maux de tête et la grossesse et les rendez-vous. Et je me sentais vraiment désespérée en me disant, mais punaise, c'est ça être maman, quoi. Oui, c'est ça être maman. C'est courant dans le cas des reconversions, même je vois dans mon activité, c'est... Ouais. Enfin, il y a beaucoup de femmes et lorsque j'ai des appels téléphoniques, elles le disent. Enfin, ça change quelque chose le fait d'être maman. Tant mieux d'ailleurs. Ça ouvre un peu les yeux, tu as une autre vision. Ouais, exactement. Et du coup, j'étais en congé maternité et là, j'ai commencé en fait à m'approprier ce rôle de mère qui était imminent, quoi. Et justement, j'ai commencé à lire sur la parentalité positive, la pédagogie Montessori, etc. Et c'est vraiment là que ça a commencé à m'ouvrir les yeux. Puis après, elle est arrivée en me disant, mais et en fait, quand elle est arrivée, je me suis tout de suite fait rattraper par ce rythme de vie que je m'étais imposé hein, quand même avant ça. Parce que oui, on a l'impression que c'est la faute des autres, mais en fait, c'est nous qui avons le choix. Hein. Celles qui me suivent en atelier le savent. Et donc, je me disais... C'est bien que tu précises ça, Cécile, aussi. Moi, je vois que Cindy a souri. Et ça fait écho aussi. En fait, je l'ai... Donc du coup, moi j'ai aussi dans le cadre des reconversions aussi dans mon activité clairement la situation et c'est un choix personnel, c'est difficile hein, quand même à l'accepter, mais bon. Très difficile. C'est bien d'en prendre conscience. Oui, et surtout ce que j'ai trouvé difficile moi quand j'ai commencé à prendre conscience que j'étais pas au bon endroit déjà, ça c'était un premier déclic, mais la première difficulté qui m'est apparue c'est oui je suis pas au bon endroit mais qu'est-ce que je peux faire quoi. C'est ça. Mais c'est ça. Je ne suis pas au bon endroit, mais où je vais? Et j'étais vraiment... je me sentais seule, quoi, parce que je ne pouvais en parler à personne. Mon mari, il n'aurait pas compris à l'époque. J'espère qu'il ne va pas regarder la vidéo. Non, ce n'est pas trop son style. Il n'aurait pas compris. Dans mon milieu pro, évidemment que je ne pouvais pas en parler. Voilà, ce n'était pas possible. Et puis, dans mes amis, ce n'est pas que j'aurais pas pu en parler, mais je ne savais moi-même pas par où commencer, en fait. Je ne savais même pas mettre des mots, finalement, sur ce ressenti, quoi. Oui, c'est sûr. Et tu vois, je te pose la question aussi, Cécile. À ce moment-là, tu n'avais pas pensé à te faire accompagner, enfin, voilà, par les personnes comme moi ou d'autres personnes. Il y a pas mal de structures. Tu t'es pas dit, ah, je vais peut-être me faire accompagner pour ma reconversion. Non, non mais franchement, quand je t'ai rencontrée, j'aurais adoré te rencontrer à cette époque-là parce que ça m'aurait fait gagner certainement beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais bon, en fait, quand c'est arrivé... Dans mon cerveau, comme je n'ai connu personne dans mon entourage proche qui a vécu une reconversion professionnelle, je ne savais même pas que ça existait.
Et je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui auraient pu m'aider, en fait, dans cette démarche. Mais vraiment, c'était ça, quoi. Hein. C'était tellement un univers. Je découvrais un monde parallèle. Tu te sentais vraiment livrée à toi-même, tu disais. Ah ouais, complètement. Et même désespérément seule, quoi. Grand moment de solitude. Ah ouais, et qui a duré longtemps. Ouais, c'est pas évident. Qui a duré quand même longtemps. Hein. Parce que c'est pas tout de suite que ça s'est passé. Hein. Donc au début, donc, comme ma fille, je l'allaitais, que j'avais adoré ces moments-là, j'avais déjà pensé à peut-être... conseillère en allaitement, parce que je voyais dans mon entourage des mamans qui galéraient, qui avaient besoin de soutien, donc je me disais ça. Puis j'ai fait des démarches auprès de la Leche League et j'ai commencé à me renseigner aussi en Martinique, et en fait je me suis vite aperçue que pour en vivre réellement ça allait être très compliqué. Et première ébauche de solution qui n'était pas la bonne. Et puis j'ai continué. Et là, Cécile, je me permets de te poser une question. Toi, tu avais plutôt une idée d'être entrepreneur? Tu t'es dit, je vais essayer de trouver une activité, je vais me lancer à mon compte, ou c'était quoi ton cheminement ? On n'avait aucune idée. Ouais. Non, mais vraiment aucune idée, c'était vraiment le flou total. Non, devenir autre entrepreneur, c'est venu bien après. Hein. C'est venu par, entre guillemets, par la force des choses, mais ce n'était pas du tout. En fait, mon idée, c'était de faire quelque chose avec lequel je suis en phase, et ce n'était pas forcément un modèle juridique ou de société. Ben, voilà. Bref. Oui, enfin, pas forcément être à ton compte. Ce n'est pas une priorité. Tu voulais faire un métier qui correspond un peu à ce que tu aimes faire sans forcément être indépendante. Exactement. Dans un premier temps, c'était quand même vraiment ça. Et du coup, je fais un petit... à tout le monde, s'il vous plaît, laissez les micros éteints. Et si vous avez des questions, je vous invite à les mettre par écrit en commentaire, parce que sinon, ça fait des échos et c'est assez compliqué. Donc, si vous avez des questions, au fur et à mesure, posez-les par écrit aussi. Et avec grand plaisir, on y répondra l'une ou l'autre, ou les deux, hein, en fonction. Mais voilà, quand il y a les micros, ça fait écho. Et du coup, c'est compliqué. Voilà, merci. Donc, du coup, non, pas du tout l'idée de mettre à mon compte, mais plus faire quelque chose qui était en phase avec ce que je sentais, quelque chose qui me ferait plaisir. Voilà. Donc, c'était plus ça la démarche. Et ce qui m'est venu, c'est que je lisais donc beaucoup, comme j'ai toujours beaucoup lu dans toute ma vie. Mais là, en étant maman, j'ai vraiment orienté mes lectures sur la parentalité, la pédagogie positive. Je suis très vite tombée sur des livres d'Isabelle Filioza, qui c'est mon gourou, quoi. Hein. C'était quelqu'un qui m'a énormément inspirée. Hein. Je ne la connais pas du tout personnellement, mais je l'adore. Elle m'a tellement apporté au travers de ses livres, de ses conférences, que ma vie ne serait pas la même. Et Cécile, en lisant ce genre de lecture, tu recherchais quoi exactement ? Je cherchais en fait, je sentais que je n'avais pas envie d'être maman comme mon instinct me le soufflait. Et je cherchais quelqu'un qui me dise que c'était possible. Voilà. Et donc, Isabelle Filioza, j'ai trouvé ça tout de suite. Et du coup, bingo, quoi. Du coup, j'ai lu toute sa biographie. Je m'y suis mise à fond, quoi. D'accord. Voilà. C'est un peu ton mentor virtuel, ah ouais, quoi. Ah ouais, à fond. Mais toujours aujourd'hui, j'adore ce qu'elle fait. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément dans mon quotidien de mère et même maintenant de professionnelle, en fait. Voilà. De toute façon, on s'inspire toujours des autres, hein, donc c'est très bien d'avoir ce mentor. C'est partie des gens qui m'inspirent énormément. Voilà. Voilà. Et puis en fait, donc, je me suis aperçue que la pédagogie Montessori aussi me plaisait beaucoup. Et donc, j'ai trouvé une formation d'éducatrice Montessori. Et suite à un burn-out professionnel, parce que mon petit garçon n'a pas dormi pendant au moins 18 mois de ses premiers 18 mois de vie, c'est-à-dire qu'il s'est réveillé 8 fois par nuit, à peu près. Sinon, il ne dormait pas entre 21h et 3h du matin. Donc, les personnes qui nous regardent, il y en a qui sont enceintes. Bon, c'est pas pour les... c'est pas... faut pas qu'elles prennent peur, mais bon, ça... pas comme ça. Ça dépend, c'est pas toujours le cas. C'est un peu la loterie quand même, hein. Voilà. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est un peu la loterie. Ma fille est née, pas du tout, une super bonne dormeuse depuis ta naissance. Enfin, tout était trop facile avec elle, mais trop, quoi. Voilà. Et du coup, voilà. Et donc, j'ai fait un burn-out. Hein, ça s'appelle un burn-out. Et ce qui fait que, voilà,
Je suis partie en arrêt maladie parce que je ne pouvais plus en fait assurer, je ne pouvais plus assurer mon quotidien de professionnelle, mon quotidien de maman, etc. D'accord. Et donc, c'était un peu les deux. C'était un petit peu débordé au niveau de ton boulot, puis au niveau de ta vie de famille, et que le manque de sommeil, c'était compliqué, quoi. Ah bah, c'était juste horrible. J'étais hyper impatiente avec mon conjoint, mes enfants. J'étais exécrable, j'étais inefficace au travail, désagréable en plus. Alors, attendez, je vais faire un petit truc du coup technique. Donc, c'était vraiment ça qui m'a... Qui m'a... Enfin, qui a fait que je suis allée dans le mur, quoi. Et grâce à mon médecin, qui est devenu une amie entre-temps, et ben en fait, elle m'a dit, mais là, c'est plus possible. Là, c'est plus possible, je te mets en arrêt maladie. Et donc, au début, je dis, ouais, ok, en pensant qu'elle allait mettre une semaine. Et quand elle a écrit 3 semaines, je lui dis, mais non, c'est pas possible, pas 3 semaines, finalement, ça va pas pouvoir. Et elle m'a dit, écoute, c'est soit ça, soit rien. Elle dit, je suis médecin, et c'est moi qui décide en fait de quoi tu as besoin. Maintenant, si tu n'es pas prête à l'avoir, c'est que tu n'es pas prête à ça. Et donc, voilà. Tu vois, Cécile, je rebondis là-dessus. Ouais. Toi, tu n'étais pas forcément consciente que tu étais dans un burn-out. C'est vraiment ton médecin qui t'a alerté, qui t'a dit stop, tu t'arrêtes. Et limite, elle te l'a imposé. Donc, ah, mais complètement. Et c'est exactement ça. D'accord. Et en fait, du coup, quand elle a écrit burn-out sur la feuille de maladie, en fait, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans mon cerveau, quoi. J'étais même à la limite de lui dire, mais non, n'importe quoi, je suis pas en burn-out, je suis juste fatiguée, quoi. Enfin, vraiment, il y a un déni total de la situation. Alors que bon, c'était flagrant pour plein d'autres que moi. Hein. Enfin, je pense que tout le monde, à part moi, était conscient de ça. Mais oui, voilà, c'est ça. Tu vois, parmi les personnes que j'accompagne, je vois qu'il y a beaucoup qui sont exposés aussi au burn-out. Et est-ce que tu n'étais pas du tout à l'écoute de ton entourage, par exemple, est-ce qu'ils ne te disaient pas, Cécile, non, mais là, ça ne va pas du tout. Comment tu réagissais par rapport Personne à ça? Personne ne m'a dit ça, en fait. Hein. Non. Personne ne m'a dit ça. Personne ne m'a dit ça, il y a juste mon conjoint qui me disait « t'es pénible », et il y a juste mon patron qui me disait « t'es incompétente ». Il y a juste mes enfants qui criaient dans mes oreilles et que j'avais envie de les frapper, en fait, hein, clairement. Hein. J'avais envie de les frapper parce que mon cerveau faisait mal, parce que moi aussi j'avais envie d'hurler en rentrant du travail. Et pourquoi ils avaient le droit d'hurler et pas moi, quoi, tu vois? Donc j'étais vraiment… Et je me rappelle des moments où je l'ai récupéré à la crèche. Et on arrivait à peine dans la voiture et ils hurlaient, en fait. Mais ils hurlaient. Et je me rappelle d'une fois où, en fait, ces hurlements, ils m'ont tellement pris la tête que j'ai freiné fort, j'ai pilé pour leur faire peur parce que je n'en pouvais plus. En fait, en fait, j'avais profondément mal, quoi. Et je leur ai hurlé dessus en disant « Mais taisez-vous, je ne peux pas vous entendre. » Et en fait, en disant cette phrase, je me suis aperçue qu'en fait, c'était moi qui ne pouvais pas. Alors qu'en fait, ce n'était pas le problème de crier, finalement. J'auto-prenais conscience que c'était normal pour eux de crier, mais que c'est moi qui n'étais plus capable d'entendre ce cri, quoi. Oui. Et là, je me suis dit, en fait, stop. En fait, stop, je ne peux pas, en fait, continuer comme ça. Je vais finir par les fracasser. C'est pas du tout comme ça que j'ai envie d'être mère, quoi. C'est pas ça que j'ai lu. C'est pas ça qui a résonné chez moi quand j'ai lu ces ouvrages. Je n'ai pas... Et en fait, voilà, tout ça qui a été mixé, je me suis dit, bon, il est temps d'y mettre un terme, en fait. Donc, et comment tu as eu le déclic de te dire, Cécile, là, c'est bon, j'arrête de rester dans cette situation. Est-ce que c'est le médecin, du coup, qui t'a pris devant le fait accompli en te disant, non, mais c'est pas possible. Hein, Ouais, okay. C'est exactement ça. Et elle m'a dit, Cécile, donc soit tu refuses l'arrêt et c'est OK, c'est ton problème, mais sache que là, la prochaine étape, c'est l'hôpital, soit c'est un accident de voiture. Elle m'a dit, on est dans l'état dans lequel tu es. J'avais des palpitations, j'avais des vertiges. Enfin, j'étais vraiment très, très mal. Hein. Et elle me dit, voilà. Donc, elle me dit, si tu as envie d'aller jusque-là pour comprendre, eh bien, vas-y. Je serai là quand même pour te soigner. Mais par contre, sache que c'est ça la prochaine étape. Ouais. Et donc, là, ça m'a... Donc, parfois, dans ce genre de situation, c'est important d'être face à quelqu'un qui est assez direct, en fait, finalement. Ça peut paraître un peu brutal, mais c'est de cette manière que tu as compris. Complètement. Donc, donc du coup, je suis sortie de là avec la prochaine étape, c'était d'aller déposer cet arrêt de travail de 3 semaines sur le bureau de mon patron, quoi. Et je peux dire que
ça m'a demandé beaucoup de courage. Je me disais, mais waouh, mais non, quoi, je ne peux pas faire ça. Il vient de me dire que je suis incompétente et je vais lui dire que je dépose 3 semaines dans les maladies. Et puis, en fait, j'ai repensé à... C'est quoi ta crainte, Cécile, à ce moment-là, justement, de dire quand tu allais déposer... Perdre mon travail. Tu craignais quoi ? De perdre ton boulot. Ouais, de perdre mon travail, ouais. De te faire virer, ou ok. Ouais, c'est un peu ça. Parce que j'étais dans une... Mais tu l'as fait, bravo ! Ouais, mais je l'ai fait. Je vais passer à l'action. Exactement ça. Et puis, en fait, de cet arrêt maladie, ça a fait tout exploser parce que mon patron me reprochait de ne pas travailler parce que comme j'étais cadre, il me dit que même en arrêt maladie, je devais travailler et que quand je suis revenue, il m'a demandé de m'excuser de ne pas avoir travaillé, d'avoir abandonné mon poste, m'excuser de ne pas avoir assumé mes fonctions. Enfin, vraiment, il allait très loin. Et puis, en fait, c'est là que je lui ai dit, mais jamais de la vie, je m'excuserai pour ça, en fait, mais jamais de la vie. Et quand je suis revenue dans mon bureau suite à cette discussion, je me suis dit, là, c'est le jour où je sais que je ne pourrai jamais plus continuer. C'est vraiment... Comment tu as eu la force de lui dire, Cécile ? De lui dire, je ne vais pas m'excuser d'aller voir ton chef parce que tu avais peur de perdre ton job. C'est pour les personnes peut-être qui regardent, ça pourrait un petit peu... Bah, en fait, c'est l'énergie du désespoir, quoi. D'accord. Vraiment l'énergie. En fait, c'est que tellement j'étais à bout physiquement, psychologiquement... que c'était l'énergie du désespoir. Ce n'était plus possible autrement. Je n'avais plus de ressources. Enfin, je n'avais plus. D'accord. J'avais grillé toutes mes cartouches d'énergie, de ressources, d'organisation. Je ne pouvais plus. Donc, en fait, c'était... Donc, tu n'avais plus rien à perdre, en fait, finalement. Tu t'es dit, de toute façon, j'y vais. D'accord. Et en fait, ce que j'avais pris conscience surtout, c'est que soit je perdais ce job... Enfin, le risque de faire ça, c'était de perdre mon job. Mais l'autre risque de ne pas le faire, c'était de perdre ma famille. Et en fait, clairement, les deux dans la même balance, il n'y a pas photo, quoi. Qu'il aille se faire voir, ce job. Voilà, c'était vraiment... Bravo. T'as fait le bon choix. C'est très bien. Non, mais ce n'est pas évident, tu vois, j'insiste. Moi, j'ai beaucoup évident. De femmes au téléphone. Et il y a pas mal de personnes qui préfèrent dire, bah, moi, je ne veux pas perdre mon emploi, j'ai trop peur. Donc, j'accepte l'injustice. Un peu une forme de maltraitance quand même, en fait, je peux dire. Et tu as eu ce courage, donc je tiens à souligner que c'est vraiment un grand pas. Bravo. Sur le moment, j'en menais pas large. Hein. J'étais en pleurs, je tremblais, je ne pouvais plus réfléchir. Là, j'en rigole hein, maintenant, hein, mais là, c'était il y a 3 ans. Quoi, hein. J'en menais vraiment pas large. Hein. Donc, voilà. Et du coup, j'ai fait une demande de CIF, de congé individuel de formation, pour faire une formation d'éducatrice Montessori. Et j'ai mis tellement d'énergie dans la lettre de motivation que normalement, il n'y a aucun dossier qui est accepté à la première commission. Parce qu'ils misent aussi sur la persévérance avant d'accepter les dossiers, comme il y a tellement de demandes par rapport au financement. Oui. Et j'ai tellement mis mes tripes dans la lettre de motivation que mon dossier il a été accepté du premier coup. Avec des délais hyper justes. J'étais vraiment dernier recours parce que j'ai pris ma décision vraiment au dernier moment. Je devais faire signer à mon patron une lettre comme quoi il m'autorisait à participer aussi à ça par rapport à mon temps de travail. Enfin, vraiment, ça demandait quand même beaucoup de démarches. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit que ce n'était plus possible autrement. Que de toute façon, je n'avais plus de choix. Ouais. Quoi. Et tu as osé quand même faire cette démarche, cette demande de CIF, tout en sachant que c'était un peu conflit. Hein, voilà. Il y avait un peu un climat un peu conflictuel avec ton employeur. Oui. Très conflictuel. Tu n'as pas hésité à le faire ? Oui. Et tu l'as fait quand même. Et comment tu t'es dit, c'est cette formation, je m'engage dans cette formation, éducatrice Montessori ? Parce qu'en fait, à la maison, j'avais déjà du coup appliqué ça avec mes enfants, puisque j'avais beaucoup lu sur le sujet, et que je sentais que ça me plaisait vraiment d'être maman de cette façon. Avec mes enfants, je sentais que même malgré mes moments de crise, de désespoir, vu à mon état émotionnel, quand même dans les outils et dans l'approche, le côté libre choix, le côté autonomie me parlait énormément dans la façon dont j'avais envie d'accompagner mes enfants, quoi. Et en fait, du coup, c'est ça qui m'a guidée. Et puis, en fait, j'ai 8 frères et sœurs, moi. Et du coup, j'ai toujours beaucoup aimé... J'ai toujours beaucoup aimé être avec les enfants. J'ai toujours été très à l'aise avec les enfants quand même, globalement. Et donc, je me suis dit, ben, allons-y. De toute façon, c'est ça qui me vient là. Il y a une formation en Martinique qui commence là dans la période où il me faut. Donc, j'y vais, quoi. Et puis, on verra bien. Et tu as réagi comment lorsque tu as eu la réponse favorable ? Ah ben, trop contente, quoi.
Mais à la fois trop contente et à la fois, comme je disais tout à l'heure, c'était pour moi une évidence que j'allais l'avoir, quoi. C'était très Oui. prétentieux, hein, parce que c'est après que j'ai su qu'en fait, normalement, il n'y a aucun dossier qui est accepté au début. Enfin, ça n'arrive jamais, quoi. D'accord. Voilà. Mais du coup. Bon. Bon, bah, très bien. Tu vois, c'est un signe, hein, comme quoi, hein, que tu étais au bon endroit. Et Ouais. après, donc, tu as vu ton employeur, tu lui as fait part de cette nouvelle. Hein, Ouais, il va être il... enchanté. n'est-ce pas? Mais du coup, je pense que lui aussi, avec mon arrêt maladie qui avait été long et puis notre grosse prise de bec, je pense que lui aussi avait compris que c'était fini, qu'il ne retrouvait jamais l'employé qu'il avait eu avant que je sois mère, hyper Ah oui. impliquée, hyper dévouée, hein, hyper conformiste aussi, dans les demandes, dans le rythme. Et je pense que lui aussi avait compris que de toute façon, il ne retrouverait plus cet employé-là que lui a, dont lui avait besoin. Donc je pense qu'il s'était fait une raison en disant, bah, de toute façon. Et en fait, le plus drôle, la petite anecdote non plus que je n'ai jamais racontée, c'est que bon, ce patron-là, qui m'a quand même bien poussée à bout, quand je suis allée lui annoncer que j'avais eu la formation de CIF, et il m'a, donc j'étais allée le voir directement, et il m'a demandé ce que je comptais en faire par la suite de cette formation. Et donc, je lui ai dit que j'avais comme projet d'ouvrir une école, de machin. Et il m'a dit, tu sais que je t'admire? Alors là, je me suis dit, ça, c'est quoi l'embrouille? Qu'est-ce qui va me sortir? Etc. Et en fait, il m'a dit, même, tu vois, il me dit, aujourd'hui, je suis patron, j'ai un très bon salaire. Et il me dit, mais je n'ai jamais eu le courage, malgré tout ça, de me lancer à mon compte, de tout claquer, de tout remettre en cause pour suivre une aventure dont je ne connaîtrais pas forcément le lendemain, quoi. Et il m'a dit, ben, je t'admire pour ce courage. Parce qu'il dit, on sent que ça te vient des tripes, on sent que tu y vas et que tu crois en toi. Et en fait, ça m'a fait vraiment. Enfin, j'y ai souvent pensé, quoi. Je me suis dit, ah ouais, Non, c'est pas donné à tout le mais tu monde, en vois, fait. et c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'en étant courageux et en apprenant en fait à affronter ses peurs, en fait on inspire en fait les autres personnes. Et tu vois, lui, peut-être qu'il n'est pas passé à l'action parce qu'il a laissé ses propres peurs l'envahir, mais il se dit waouh, ce qu'elle a fait, Cécile, c'est quand même incroyable. Et je pense que tu t'attendais pas du tout à cette remarque. Je t'ai dit même à tel point que je ne m'y attendais pas, c'est que je me disais, mais qu'est-ce qui va me sortir après? Je pensais plus ça à une Ah approche oui. tournée pour m'entourlouper ou quoi. Et en fait, non, pas du tout. C'était sincère. Et c'était D'accord. sincère. Et il m'a dit, mais ouais, je t'admire parce que voilà, parce que t'as pas peur, Ouais. parce que tu y vas. T'oses remettre en cause un CDI alors que plein de gens en rêvent. Et puis te lancer pour être en phase avec tes convictions, quoi. Et en Et fait, quand justement, tu il vois, est je rebondis, parti. Cécile, par rapport à ce CDI, parce que Quoi? tu vois aussi pareil, moi, avec toutes les femmes avec qui j'échange, qui Ouais. veulent se reconvertir, parfois il y en a qui hésitent avec ce côté un peu sécurité. C'est clair. Bon, j'ai un job, même si ça ne me plaît pas du tout. Toi, comment tu as fait? Parce que tu as quand même deux enfants, etc. Te dire, bon, bah, j'essaye, je tente. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Bah, j'ai la chance déjà d'avoir un mari qui est fonctionnaire, donc au statut Ah ultra oui. stable. Donc ça, quand même. D'accord. Oui, il y en a un sur deux quand même, ouais. Ouais, voilà. Donc D'accord. je dois quand même avouer que ça a joué pour beaucoup. Le côté aussi que je suis un peu du genre fourmi, je ne suis pas du tout quelqu'un de dépensier, donc de ces années de travail, j'avais quand même quelques sous de côté. Et au quotidien, je suis quelqu'un qui ne dépense pratiquement D'accord, tu as rien, une petite quoi. épargne. Donc mes besoins quotidiens, à D'accord. part l'argent qu'il me faut pour ma maison et me nourrir, je suis quelqu'un qui ne dépense presque rien, quoi, hein, D'accord. dans ma Mais après, vie. vous êtes en Martinique, à la nature, donc vous n'avez pas forcément besoin de. Enfin voilà, vous profitez Voilà. de l'extérieur, etc., des beaux paysages. Tout D'accord. à fait. Donc, Très il bien. y avait ça quand même qui m'a. Puis en fait, je me dis aussi, il y a quand même le chômage qui prend le relais pour un temps et qui me laisse le temps aussi de me réorganiser, de me. Et Bien sûr. en fait, c'était aussi dans la balance. Mais en fait, est-ce que c'est ça, être heureux, gagner 3 000 euros par mois, avoir une voiture de fonction et des congés payés, et passer son année à attendre les congés parce qu'on est tellement malheureux le reste du temps qu'on ne le supporte Ouais. pas? Et en fait, je me dis, mais non, c'est pas ça, être heureux, quoi. Hein? Vraiment, c'est pas ça. Et je me dis, non, c'est tant pis. Stop. Voilà, j'en veux Ah, pas. bravo. Voilà. Tu passes à l'action. Donc, en plus, tu as fait cette formation avec deux enfants. C'est Ouais. fin, quand même, hein, Ouais, jeunes. Enfin, ils sont assez rapprochés, tes enfants. ben, ils ont 18 mois Quel d'écart, âge? hein. Et Ouais. dont voilà. Et dont mon petit garçon qui ne dormait toujours pas quand même.
Bon, comment tu t'es organisée alors pour faire cette formation avec ton petit qui ne dormait pas? Quels sont tes super pouvoirs? Comment tu puises l'origine de tes super pouvoirs? Alors, je pense que j'ai un élément de réponse qui est mon alimentation quand même. Je suis assez. J'ai une hygiène de vie quand même, je pense, assez bonne. Dans l'ensemble, hein, je suis gourmande aussi, mais quand même. Donc, une alimentation qui est beaucoup basée sur des fruits et légumes. Et donc, déjà, naturellement, je ne vais pas encrasser mon corps avec ces éléments. Et donc, déjà, forcément, le capital d'énergie que j'ai à ma disposition est quand même plus grand que quand on mange beaucoup de sucre, beaucoup de gluten, beaucoup de lactose, etc. Et voilà, beaucoup de soda, le moins possible de perturbateurs D'accord. endocriniens dans mon quotidien. Donc déjà, ça, c'est quand même un élément, je pense, de réponse. Je ne prends aucun médicament, pratiquement jamais. D'accord. OK. J'ai eu la dingue en septembre. Donc là, j'ai pris des Doliprane, mais ça reste Oui, exceptionnel. je suis ça sur Instagram. Et Voilà. comment tu t'es organisée alors? C'était à plein temps, cette formation? Alors non, ce qui était super avec cette formation, c'est qu'en fait, c'était une semaine par mois. Il y avait 7 modules, mais c'était une semaine par mois. Et puis, je crois que ça allait sur 7 mois, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que je travaillais et pendant une semaine complète, j'étais sur la formation, mais j'étais quand même payée grâce à mon dossier de CIF. J'étais quand même payée à mon salaire normal. Et donc, tout simplement, professionnellement, je traitais mes dossiers sur les 3 autres semaines et je me libérais une semaine pour la formation, quoi. D'accord, très bien. Donc après, tu as obtenu cette formation, tu as quitté ton job, tu as pu avoir une rupture conventionnelle, il me semble. Oui, alors qu'il n'a pas été facile non plus à obtenir, hein. Mon patron ne voulait pas, il voulait que je démissionne, voilà, bon, c'était pas évident. Mais bon, j'ai réussi à trouver les mots et les astuces pour le faire accepter. C'était pas gagné, hein. Jusqu'au D'accord. dernier moment, il voulait pas, quoi. Voilà. Et puis, grâce à cette rupture Et tu n'as conventionnelle, rien lâché, donc tu as été tenace, tu t'es pas dit, pas. enfin. Ce que je retiens aussi, hein, tu as été tenace et persévérant, tu t'es dit, Ah ouais. même s'il ne veut pas du premier coup, enfin voilà, tu Ah ouais, n'as j'ai rien pas lâché. abandonné. Rien lâché. Et... J'ai fait du chantage, j'ai joué sur ses faiblesses, j'ai tout misé, quoi. J'ai tout exploré pour y arriver, quoi. Ouais. Mais c'est grâce à ses faiblesses que ça a marché. C'est sûr. Et après, donc tu t'es lancé, tu as eu ce projet de. Tu t'es lancé, hein, dans ce projet création d'école, il me semble. Ouais. Ben, quand je suis partie, ça a concordé avec l'ouverture de l'école. Donc, j'avais en parallèle de cette formation et de mon travail, j'ouvrais aussi l'école Montessori. Donc, je faisais les démarches entre 10 h et 3 h du matin pour l'ouverture de l'école. Voilà. Et pareil, hein, l'énergie du désespoir. Mais quand je suis désespérée, j'ai vraiment beaucoup d'énergie. Et tu vois, Cécile, je rebondis aussi par rapport à ton entourage, parce que je sais que, pareil, dans mon activité, enfin, avec les femmes avec qui j'échange, souvent, elles me disent, oui, bah, mon entourage, quand on dit je vais changer de job, je vais peut-être me mettre à mon compte, bah, ils sont pas forcément, ils les encouragent pas. Toi, enfin, je sais pas, ton mari, je crois qu'il t'a soutenue. Est-ce que tu en as Au parlé à tes début, en fait, parents, hein. tes... Il m'a pas soutenue au début. Au début, Oui. il voyait que j'étais mal, mais pour lui, c'était pas forcément viable. Et puis, en fait, un jour, je lui ai dit, mais en fait, j'ai besoin, quoi. Là, j'y crois, j'ai besoin. Et il a soufflé un grand coup et il m'a dit, bon, allons-y, quoi. Un peu d'un air, punaise, pourquoi je suis tombée sur elle, quoi. C'est pas pour une femme simple qui se contente de ce qu'elle a. Ben voilà, je ressentais un peu ça quand même. Mais Pas rester tranquille dans son job. c'est un peu ça, ouais. Ben, c'est raté, là. Il n'est pas tombé sur la bonne du tout. Lui qui n'aime pas du tout les changements, qui aime bien sa zone de confort, là, avec moi, il est foutu, quoi. Et tu Donc vois, ça t'a pas ralenti quand même. T'es quand même passé à l'action et t'as peut-être réussi même à convaincre tellement que t'avais beaucoup d'enthousiasme. Je pense que bon, tu l'as fait comprendre que c'était vraiment indispensable, c'était vital comme choix. c'est clair. Donc D'accord. voilà, l'école a réussi à ouvrir. Hein. Donc j'avais jamais ouvert d'école de ma vie, hein, forcément. Donc j'ai réussi quand même à ouvrir une école. Et puis l'école même a bien marché, techniquement, on va dire. Au niveau des enfants, ils étaient ravis, mais malheureusement, je suis tombée sur quelqu'un avec qui j'ai ouvert l'école, pas du tout bienveillant. Voilà, pas du tout la même dynamique. Bref, c'était très compliqué. Et quand j'ai reçu des mails de la banque, l'école, on l'a montée sur une association. Quand j'ai reçu des mails de la banque qui me dit qu'en fait, ils faisaient des détournements de fonds, en fait, du compte de la banque sur leur compte bancaire.
je me suis dit, en fait, stop, quoi. Stop, il faut arrêter le carnage, quoi. Donc, je suis partie de l'école. Bon, il y a eu d'autres choses aussi, hein. Il n'y a pas eu que ça, évidemment, mais bon, bref. Je suis partie de l'école et là, je me suis dit... Bon, et en fait, je vous raconte ça, mais ça s'est passé sur quand même plusieurs mois et où ça avait eu le temps de monter en pression et le mal-être n'était pas, voilà, s'accentuer. Et quand je suis partie de l'école, je me suis dit, mais en fait, là, je vais droit sur une dépression si je ne fais rien. Parce que je sortais quand même de mon burn-out professionnel où j'enchaînais avec l'école et avec cette personne qui faisait des détournements de fonds dans mon dos, quoi. Enfin, voilà, ça faisait vraiment beaucoup. Du coup, je me suis dit... Et comment ça fait dans cette période pour pas non plus sombrer, enfin... Et bien, en fait, je me suis rappelée de quelque chose que j'avais appris, compris plus jeune, je ne sais même plus quand, c'est qu'en fait, une chose qui fait tenir, n'importe... Enfin, pas n'importe... Je ne sais pas si, je dirais n'importe qui, dans un moment où ça ne va pas, c'est d'avoir un projet. Quand tu as un projet, quand tu as un objectif, et bien, en fait, tu tiens. Donc, je me suis dit, il me faut un nouvel objectif. Pour mon burn-out professionnel, j'avais l'objectif de l'école, ce qui m'a permis de tenir. Quand j'avais l'objectif de l'école, ça marche. Tant que je me disais que ça pouvait marcher, ben, j'arrivais à tenir. Et là, comme j'ai décidé de partir, que ce n'était plus possible, il me faut un nouvel objectif pour réussir à tenir, quoi. Oui. Du coup, je me suis dit, allez, bingo, je crée un blog. Et puis, je vais partager mes connaissances sur les pédagogies alternatives et sur la parentalité sur ce blog. Donc, j'ai enclenché une formation de blogueuse en ligne. Donc, à peine sortie de ça, hein, pour, en parallèle du procès, hein, je vous parle de ça, et de l'école à la maison. Du coup, je faisais l'école à la maison à mes enfants. Du coup, en parallèle... Tu as rebondi très vite, tu étais toujours très active, en fait. Bon. Je t'ai dit, bon, maintenant, il faut que j'ai un autre projet, et la vision à moyen long terme est essentielle pour toi. Si tu n'as pas de projet, sur le présent, c'est quand même assez compliqué d'être, d'être animé, etc. Okay. Parce qu'en fait, y a quelque chose que j'ai lu beaucoup plus tard que ça, mais que j'ai vraiment expérimenté, c'est qu'en fait, le vrai équilibre dans la vie, ce n'est pas l'immobilité, c'est le mouvement. Exactement. Et en fait, le vrai équilibre, c'est d'être toujours en mouvement. Parce que quand tu es toujours en mouvement, tu t'adaptes. Là, il y a un truc qui baisse, tu retournes sur un autre pied et tu avances et tu recules, tu t'adaptes. Alors que quand tu restes immobile, si tu es au-dessus de la case qui craque, tu tombes. Et c'est vraiment, en fait, un mouvement et poursuivre un but, hein, bien déterminé. Ouais. Donc ça va t'amener à faire certaines choses, parfois t'adapter pour pouvoir atteindre ton objectif. Ouais. Exactement. Donc j'ai suivi cette formation de blogueuse. Et donc j'ai créé mon blog et j'ai commencé, j'ai mis la première fois un pied sur les réseaux sociaux il y a 2 ans. Hein. Je n'avais même pas un compte Facebook personnel. Je n'avais jamais mis un pied là-dessus il y a 2 ans. D'accord, comme moi. Bon, voilà. Cette formation était bien utile alors. Exactement. Et du coup, je me suis lancée là-dessus et j'ai commencé à tâtonner, à rencontrer des gens sur les réseaux sociaux, à faire des consultations comme ça un peu officieusement pour voir ce dont les gens avaient besoin, ce moi, donc quoi j'étais capable aussi et ce que j'avais envie vraiment. Et du coup, j'ai décidé de me faire une formation, de suivre une formation de consultante en parentalité parce que je sentais que c'était plus vers ça que j'allais. Donc, j'ai suivi j'ai commencé une formation de consultante en parentalité. Une autre formation, on en a la troisième là à peu près. Ouais, voilà, c'est ça. Et oui, et justement, cette formation, je me permets de demander pour le financement, c'était est-ce que tu as fait appel au CPF ou c'était j'ai essayé de me faire financer par Pôle emploi, mais comme en fait c'était une formation en ligne et pas dans les vous savez, il y a une sorte de base de données en fait des formations qui sont accréditées par Pôle emploi, et comme elle n'en faisait pas partie, elle ne pouvait pas être financée. D'accord, donc c'était avec ton argent personnel. Ouais, voilà. J'ai pris un compte épargne que j'avais mis bien de côté, qui n'était pas du tout... Et en fait, je me suis dit, tant pis. Oui, j'ai plus beaucoup d'argent, je suis en chômage, mais en fait, je sens qu'il faut que j'investisse sur la suite. Il faut que je me forme, il faut que je m'étoffe mes outils, etc. Donc, j'ai fait cette formation. Et tu n'avais pas peur, Cécile, d'être dans l'insécurité ? Justement, de dire, mince, là, je puise un peu sur mes économies. Comment je vais faire après ? On a quand même 2 enfants, je n'ai pas encore un job stable. Ici un peu, mais ça faisait aussi mais tu l'as fait quand même humain, parce que c'est quelque chose qui moi familialement était très 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 ancré chez moi dans ma famille. J'ai toujours entendu à table dire faut pas acheter ci, faire attention à ça, pas en avoir assez d'argent pour ça. J'ai beaucoup été élevée là-dedans, et donc je pense que ce chemin finalement il était nécessaire pour me permettre de déconstruire ça, cette peur de manquer d'argent et de dire qu'en fait on ne peut vivre qu'au travers de ça. Alors qu'en fait, j'ai appris encore plus. Bon, pendant mon voyage, ça avait déjà commencé un peu, hein, mais encore plus depuis, j'ai appris à
qu'en fait, on peut vivre avec très peu d'argent, mais être tellement plus heureux parce que justement libéré de ça. Libéré de cette société de consommation qui nous pousse à vouloir toujours acheter plus pour exister, alors que quand on apprend à exister par soi-même sans exister par ce qu'on achète, en fait, ce n'est pas du tout la même puissance et ce n'est pas du tout le même endroit où ça nous emmène, en fait. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Et je retiens aussi que tu as accepté d'investir en toi. Tu t'es dit, moi, je vais me développer, il me manque des compétences. Donc, voilà, je me forme, j'y vais. Enfin, donc, c'est très bien. Voilà. Donc, cette formation, consultante en parentalité. Et du coup, ben, après, j'avais des amis. Enfin, c'était quand même 11 ans que je vis en Martinique. Et j'ai eu toujours de très bons rapports quand même avec des gens que j'ai rencontrés ici, notamment le maïeuticien qui m'avait suivi pour mes grossesses. Oui. C'est un sage-femme homme qui m'a beaucoup inspirée, même dans. Et du coup, tous ces gens-là qui eux, croyaient en moi. Et notamment lui, donc, il s'appelle Alain, m'a dit, mais Cécile, avec tout ce que tu fais, pourquoi tu fais ça en ligne et pourquoi tu fais rien en Martinique, en fait, les gens ici, ils ont besoin aussi. Et puis, je te connais, tu vas faire ça avec plein d'amour. Donc, pour commencer, je te propose de commencer dans mon cabinet. Je partage avec ma clientèle, je te mets à disposition mon cabinet et vas-y, commence, quoi. Et en fait, c'est grâce à lui quand même hein, que Alain, si tu revois ce replay ou le live, un gros bisou, mille merci de m'avoir cru. Merci Alain. Merci Alain. Et tous ceux qui connaissent Alain savent de quoi je parle. Et du coup, voilà, c'est grâce à lui en fait. Je me suis dit, bon, allez. Et j'ai commencé donc comme ça à étoffer des ateliers et puis à commencer les ateliers, à tâtonner, à rencontrer les gens. Et même s'ils étaient complètement imparfaits, et ça l'est toujours, hein, et ben en fait, quand même, d'avoir les retours des gens qui évoluaient grâce à ces premiers ateliers, malgré leur imperfection, et ben en fait, je me suis dit, ben, il faut continuer, quoi. Il faut continuer. Donc, après, j'ai rencontré Elisa de Bulle d'éveil, qui est devenue une partenaire en or, qui, elle aussi, cru en moi, et on a fait d'autres choses. Et en accompagnant les gens, en apprenant à les connaître, je me suis aperçue qu'il y avait aussi un besoin d'aide au développement personnel en tant que femme, en fait, hein, en tant que personne. Mmh. Et donc, j'ai fait une formation de coach en psychologie positive. On n'en finit plus, hein. Ouais, voilà. Donc, c'était ma dernière, c'était pendant le confinement. Et, ah oui, c'est assez récent. Voilà. Et tu vois, ce besoin, tu as identifié ce besoin avec tes clients, tu t'es dit, ouais. Il y a d'autres problèmes. Ouais. Auxquels je voudrais répondre, donc je vais me former pour pouvoir les accompagner et voilà, mieux les servir. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, j'ai différentes casquettes, éducatrice Montessori quand je suis avec les enfants ou quand je fais des ateliers pour appliquer ça à la maison avec les moyens du bord. J'ai ma casquette de consultante en parentalité pour ceux qui viennent me voir purement par rapport à des relations avec leurs enfants, mais qui débouche souvent finalement sur ma troisième casquette actuelle qui est du développement personnel et apprendre à se réaligner avec ses valeurs, à croire en soi, à aller de l'avant, à modifier la façon dont on pense, enfin on aborde la vie, hein, des pensées positives, etc. Et, bien sûr. Voilà. Donc en fait, c'est génial parce que en fait, les trois sont très liés et en fait, c'est génial d'avoir une vision globale, quoi. Hein. Voilà. Et puis toi, tu arrives... encore plus là-dedans parce que souvent ce que je leur fais remarquer c'est que professionnellement ces mamans-là ne sont pas épanouies et que du coup ça se reporte sur le manque de confiance en elles et du coup ça se reporte sur la relation avec leurs enfants, etc. Donc ayant moi-même vécu cette reconversion professionnelle, c'est un sujet que j'aborde très souvent avec elles et je les invite justement à se rapprocher de professionnels qui sont spécialisés. Donc maintenant je pourrais leur donner tes coordonnées. Voilà. Ça fait grand plaisir. Et voilà, ce que tu dis, c'est. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est vrai que, tu vois, moi, je pense que même dans tout type d'accompagnement, il y a toujours un petit peu développement personnel. Tu vois, moi aussi, c'est un petit peu complémentaire. Moi, j'aide les femmes qui veulent trouver leur voie, qui ne sont pas bien dans leur job et qui ne sont pas du tout épanouies. Après, c'est aussi important de se reconnecter à soi, bien se connaître, connaître ses besoins, prendre confiance en soi pour après trouver un emploi qui soit vraiment adapté à ses besoins. C'est exactement. Donc voilà, moi aussi je pourrais t'envoyer des personnes. Voilà. Donc du coup voilà mon parcours et en fait un grand merci à tous ceux
qui me regardent là, maintenant ou en replay, à tous ceux qui ont cru en moi, alors que moi-même, je n'y croyais pas. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance, qui sont venus à mes ateliers et qui continuent de me suivre, quelle que soit mon évolution dans les outils que je vous apporte. Vraiment, je vous aime profondément. J'aime partager ces moments-là. J'adore mon métier. Voilà. Profondément, que ce soit en consultation, en atelier, en stage, j'adore mon métier. C'est passionnant et c'est hyper enrichissant. Moi-même, j'évolue énormément à chaque rencontre. Et voilà, je vous souhaite de tout cœur de faire un métier avec lequel vous résonnez parce que ce n'est pas du tout la même démarche. Parce que du coup… Et tu vois, et c'est possible. Ouais. Et tu vois, je pense que… Parce qu'il y a certaines personnes qui disent « mais ce n'est pas possible » parce que dans leur entourage, il y a peu de personnes et qui sont vraiment passionnées par leur job. Et voilà, tu prouves que c'est possible. Moi aussi, j'ai trouvé ma voie. Tu en connais peut-être d'autres. Donc, croyez-y. Faites-vous accompagner. Croyez en vous et surtout, entourez-vous de gens qui ont traversé ça pour vous permettre de prendre conscience qu'il y a des étapes qui sont normales dans le processus. L'échec, notamment, hein, fait partie du chemin. Et j'ai même envie de dire, tant qu'il n'y a pas eu d'échec, il ne peut pas y avoir vraiment de réussite. Mmh. Parce qu'il y a toujours cette peur. Bien sûr. Et finalement, qu'est-ce qui se passe quand on échoue? Eh bien, en fait, il ne se passe pas grand-chose de plus. En fait, on continue de respirer, on continue de marcher. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, on peut continuer d'avancer, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup la citation de Nelson Mandela qui est très connue. Qui dit « Je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. » Et surtout, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Donc, très bien. Il y a une autre citation. Merci beaucoup, Cécile, pour ce parcours inspirant. Merci à tout le monde d'avoir regardé. Vas-y, je t'en prie, Cécile. Non, mais comme on a un décalage, en fait, je suis désolée, du coup, je te coupe la parole. Je voulais dire, moi, que j'avais voulu offrir un coaching, donc en développement personnel, d'une heure par téléphone à l'une des personnes d'entre vous qui regardent le live. Donc, pour ça, je vous demande, celles qui veulent participer au tirage au sort, de m'envoyer un mail à l'adresse hello@l'éducation-fait-le-bonheur, dans lequel vous me dites qu'est-ce qui vous manque pour être heureuse. D'accord? Alors, que vous soyez homme ou femme, hein, en fait, mais bon, j'ai plus principalement des femmes, mais j'accompagne quelques hommes aussi, mais voilà. Envoyez-moi un mail en me disant qu'est-ce qui vous manque pour être heureuse. Et dans les réponses que je vais recevoir, eh ben, je vais tirer au sort une personne et à qui j'offrirai une séance de coaching, voilà. De développement personnel. Voilà. Donc, profitez-en pour ce message, hein, pour ce beau cadeau. Et moi aussi, j'en profite. Donc, si certaines femmes, justement, ne sont pas épanouies dans leur job et que vous avez envie de trouver votre voie et que c'est possible, mais vous n'arrivez pas à passer à l'action, ben, n'hésitez pas à me contacter donc, sur mon site internet. Donc, c'est timeforaction.fr, timeforaction, voilà. Et désolée pour mon accent. Et effectivement, on pourra planifier ensemble une séance offerte par téléphone pour que je puisse vous aider à vous reconnecter à vous-même et peut-être trouver votre voie et peut-être travailler ensemble. On verra. Eh bien, merci à tout le monde. Il y a Maëva qui demande. Ah oui, Maëva, je pense que je l'ai eu au téléphone. Quelle formation que tu as fait en parentalité, si tu peux le mettre dans le chat. Ouais. Je l'écris dans le chat ou je le dis oralement? Je vais écrire dans le chat. Oui, comme ça t'arrange. Je sais pas. Bah non, je vais le dire sinon en Facebook, ils ne vont pas l'entendre. Une formation de parentalité créative. Voilà. D'accord. Donc voilà Maëva, c'est bon. Elle a bien reçu le. Il y en a d'autres qui ont des questions, que ce soit maintenant ou par la suite. Bah, on reste à votre disposition. J'espère que ça vous a plutôt encouragé plutôt que fait peur ce parcours. Malgré les obstacles, on peut rebondir. Il n'y a pas d'échec. Non, toujours, on avance. Et rappelez-vous que le vrai équilibre, c'est pas l'immobilité, c'est l'action, tout le temps. Ça, c'est important aussi. C'est pas en restant assis dans une zone de confort qu'on trouve le vrai équilibre émotionnel, sentimental, professionnel. C'est toujours en bougeant, en s'adaptant, en évoluant, quoi. Voilà. Là, j'ai envie de vous dire ça aussi. Et l'être humain est fait pour ça, d'ailleurs. Être dans l'action autrement. On a des manifestations physiologiques qui prouvent qu'on n'est pas dans la bonne direction. Donc, plutôt éviter ça. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Cécile. Et puis, merci à très bientôt. Merci à tous ceux qui ont participé. Et puis, à très bientôt.
On va, À le très live bientôt. sera disponible sur le replay sur Facebook et on va mettre le live de Zoom sur YouTube, je pense. Voilà. Très bien. Allez, À bye très bye à bientôt tout tout le monde. le monde.